Ils sont les premiers à se faire appeler. De Galicine, aujourd'hui un nouvel épisode sur Assassin's Creed Origins. Et regardez, ne voyez-vous pas ce faucon majestueux qui est Senu? Et oui, non, je ne voulais pas vous faire voir les courbes magiques de Bayek nu dans les rues de Alexandrie. Un homme, tuez-le, il doit périr de ma main. Aïe. Esquive. Alors, allez, venez vous battre. La nudité vaincra. Aïe. Hop là. Et ça repart en couille. Et voilà, et ça repart en couille complètement. Aïe. Oh. Je peux pas changer de cible un peu? Merci. Esquive! Mais où est-ce que vous êtes? Mais j'en ai marre, mais vise ton ennemi un peu. Esquive! Oh la vache! Oh, je l'ai eu! Oh, je l'ai eu! Eh ben, c'est... Oh putain! Qui c'est qui m'attaque encore? Voilà! Chiou! Eh bah putain! J'en ai chié! Ça brûle! Bon. Et aujourd'hui, j'avais envie d'aller trouver et assassiner Gennadios. Gennadios qui est une quête principale à faire tranquillement. Et Senu va nous aider à retrouver cet homme. Voilà, il est là, il défend je sais pas quoi, là il y a des hommes qui courent, là il y a encore des hommes, et nous allons y aller, nu, presque nu, juste avec une serviette sur la tête, comme ça nous sommes incognito. Ils attaquent à vue par ici. Ah oui, ils attaquent à vue, oui je sais, mais à ta vue ils vont être perplexes, ils ne sauront pas qui attaquer. Toi tu meurs déjà. Voilà. Bon alors, notre cible se trouve là-bas. Ok, ici il y a quoi? Rien. Il y a cet homme qui a pris une flèche dans les dents. Voilà, je savais que j'avais vu quelqu'un là. On va utiliser ces nous hein, pour éviter que vous voyez encore ma mort. Comme un caca, la mort du caca. Tiens. Personne d'autre? Y'a personne d'autre? Et lui il a rien vu, alors que j'étais juste à côté, d'accord. C'est pas grave. On va piéger ce truc d'alerte. Et... Oh. Vous voyez ce que je vois? Je vais t'assassiner! Je suis nu! Aïe! Bon. Après, ça part en couille. Mais pas encore. Tellement la classe. Ta chienne de femme est une meurtrière. Ouais. Elle a tué délibérément. Ouais. J'ai fait mon devoir de Philakitai. C'est vrai. Tu as pris ma vie. Ouais. Ta vengeance est-elle au-dessus des lois, Medjay? Prends garde. C'est quoi ça? Les Philakès te traqueront et se vengeront sans pitié. C'est qui les Philakès? Se cacher, marcher à tes côtés. Le seigneur de la droite attend. J'ai entendu le seigneur de la Watt.
Mais non, la Watt, non. Ce serait complètement con. Au revoir, mon ennemi. En fait, il discute même pas, il dit non, c'est bon. Tais-toi, vas-y. Prends cette plume et casse-toi. Parce que. Ta voix m'exaspère. Aïe. Non. Ah merde. Maintenant, des Phylax vous en cherchent. Ce sont de puissants chasseurs de primes qui vous attaqueront à vue. Esquive. Tu veux vraiment attaquer un homme nu? Au. Bim. Non. Oh, l'esquive au dernier moment. Oh, y'a un truc qui a pété. Je sais pas ce que c'est. C'est quoi qui a explosé? Excusez-moi. Non. Oh merde. Tiens, bouffe ton pote. Oh, le non-respect. Bon, tant pis. C'est ça, énerve-toi. Et meurs. Très beau duel. T'as failli ne pas me toucher. Et pour la peine, je vais te jeter par-dessus bord comme une merde. Ouh, il a dû se casser la jambe. Après tout, ils sont branlés, il est mort. Hein. Donc maintenant, il y a des gens, des chasseurs de primes qui vous recherchent. Et bah, très bien. Moi, je les attends. Allez, faisons ça. Allons voir Aya. Où est-ce qu'il faut aller du coup? Oh bah c'est juste là. Est-ce que j'y vais comme ça? Mais oui, il est dada. Excusez-moi. Voilà. Non mais je fous le feu tout le temps. Hein. C'est une obsession chez moi. Je sais pas si je vais voir ma femme dans cette. Elle va croire que je l'ai trompée. Avec d'autres hommes en plus. Ouais, non. En plus, le mec a décidé de pas passer par les chemins, par la route. Non, mais ça me fait chier. Moi, je passe par là, voilà. Non, on va pas aller la voir comme ça. Hein. Elle va nous faire une scène après. Non, c'est chiant. Voilà. En tenue d'assassin. Elle préférera. En plus, elle est propre. Elle n'est pas salie du sang de mes ennemis. Oh, c'est nous, l'aime bien, on dirait. Je sais pas s'ils ont tous à sourire. On dirait qu'ils sont heureux. Mon amour. Oh, c'est mignon. C'est Eudoros. Il a sombré dans les eaux des bains. Ça te serait bien marré. Et voilà, ça part encore en histoire de cul. Ça part toujours en histoire de cul. Ma femme. Ma femme. J'aime beaucoup la mise en scène. Ah oui, et la nana, du coup, elle quitte l'animus à ce moment-là. Mon dieu, qui fait ça? Tu peux bien attendre 5-10 minutes. Ah, il lui manque sa dose. Pas faux. Qu'est-ce qui t'est arrivé là? Aya est là. C'est qui? La femme de Bayek. Je la sens tout près. Tu la sens? Je suis sûre que ça doit être l'effet de transfert. Avec les mémoires de Bayek, tu ressens aussi ses émotions. Non, débile. Je crois qu'elle est dans cette grotte. Les époux partageaient souvent le même tombeau. Deuxième momie? Il faudrait le signaler à Abstergo. Si on arrive à trouver Aya. Tu le fais pas, je m'en occupe. Diana, on se fera avoir si on suit les règles.
Tu sais qu'ils me laisseront à l'écart. C'est pas faux. Ok, alors. C'est quoi ? L'effet de transfert me mène à Aya. Wow. Génial. Toi qui te prenais déjà pour un super-héros. Moi, je serais toi, je prendrais un suppôt et au lit, là, parce que... Parce que là, tu vois elle des... Elle est en bas. C'est à moi de faire un saut de la foi. T'as vraiment envie de faire ça ? Tu n'es pas en état de faire le moindre saut. J'ai glissé, chef ! Non ! Alors, si on remontait un peu... Où est-ce qu'elle est ? Oh ! Ah ! Est-ce que c'est froid ? Ah bah bravo, bah. J'avais raison, elle est là ! Oh, t'es là ! Pourquoi elle est en bas ? Oula ! Je sens déjà le goût du sang. Tu dérailles de plus en plus, Leila. On doit faire notre rapport. Pas encore. Pas encore ? Mais alors quand ? Elle a pensé comment elle allait remonter ? C'est difficile de sortir d'ici. Elle a pensé comment remonter, non ? Ah, parce que maintenant elle peut escalader. Alors juste avant elle pouvait pas. Je raconterai ton histoire. Qu'est-ce que tu fais là ? J'escalade. Et c'est dur. Alors lâche-moi, tu veux ? Bien. Préviens-moi quand tu seras. Il y a rien à trouver ici ? Non. Il faut qu'on se casse de là. Bon, maintenant elle arrive à grimper comme une assassin. Hop là. C'est vraiment sympa. Oula. Il faut monter ou il faut descendre? On va dire qu'il faut monter. Hop là. Elle est quand même bien gracieuse quand elle grimpe. Et elle a appris ça rien qu'avec la mémoire génétique. Même à se planter de chemin. Pourquoi? J'ai fait un prélèvement ADN sur Aya. Je veux voir ses mémoires. Écoute, je comprends que ça t'excite, mais plus on prend de risques, plus ça risque de tourner mal. C'est mon rêve, okay. Je signale. Laisse-moi faire à ma manière. Et là, si tu sautes, tu meurs aussi ? Ah, c'est... Ah, c'est une araignée. Ah, c'est dégueulasse. Ah, j'aime vraiment pas ça. Ah, je vois où on est. Ok. Ok. Hop là. Ah, excusez-moi. Qu'est-ce que c'est que ça ? Dis, j'ai trouvé un texte antique. Il me faut la traduction. Envoie-le-moi. Au fait, quand est-ce que tu comptes avertir Abstergo ? Il y a de la friture sur la ligne. J'ai pas entendu la fin. Pourquoi je me donne du mal ? Alors, à l'est d'Oasis, que je considère comme mon foyer, il y a une petite grotte à laquelle on ne peut accéder que par un chemin partant de la route voisine. Donc à l'est de l'Oasis. À l'intérieur, je découvre un relique de grotte. La grotte elle-même a quelque chose de particulier, une sensation à savoir. Cet endroit parle à mon âme. Un jour, j'y retournerai. À l'est de l'oasis que je considère comme mon foyer. Ok, donc ça doit être Bayek qui a écrit ça. À tous les coups, hein. Enfin, je me doute que c'est ça. J'ai retrouvé mes notes sur le code de séquençage des gènes. Est-ce que tu diras un jour à Milton que tu as fait les tests avec son ADN ? Non, et je te conseille pas de le faire. Il y a des tas de moyens de faire don de son corps à la science. Ou juste un petit bout d'ADN, ça va. Alors, allons voir ici. On peut aller loin ou pas ? Non, je pense pas. De toute façon, nous, ce qu'on veut, c'est l'Égypte. Ses paysages sont... Oh putain, elle a niqué sa roue. Alors, je regarde dans les feuillages s'il n'y a pas des choses. Je sais qu'ici il y a quelque chose à prendre. Voilà, maintenant elle peut grimper. Le plan d'Abstergo pour l'Animus portable. Une vraie saloperie ce truc. Ah bon ? Mais ça t'a plu de l'améliorer ? D'accord. Ok, d'accord. Eh ben on est reparti. Hein. Aya, donc c'est-à-dire qu'on va contrôler Aya ? J'ajoute l'ADN d'Aya dans l'animus. Et quand on momifie quelqu'un... Tu ne pourras pas te synchroniser tout de suite.
Et quand on se momifie quelqu'un, le sang reste? Leila, il y a autre chose que tu dois savoir. Comme tu mélanges des séquences de gènes sans respecter le protocole, la transition entre mémoires sera sûrement imprévisible. L'imprévisible, ça m'a jamais dérangé. Ah oui? Waouh. Ça m'inquiète. Tu t'inquiètes pour tout. Donc ça veut dire que... on risque de passer de Bayek à Aya... comme ça. Waouh. Ou alors, c'est... parce que dans le gameplay, on va pouvoir choisir l'un ou l'autre. Quand on se balade. Du coup, on pourra jouer avec la nana, ce qui est particulièrement intéressant. Surtout si elle a le costume peignoir. Et on a qui d'accord. Du coup? D'accord. Non, c'est bon. On est Bayek. On reste Bayek. Qui a-t-il? Le serpent. Et s'il n'était pas le dernier? Qu'est-ce que tu racontes? Sympa. Ils sont tous morts. Justice est faite. Ils avaient un masque. J'aime beaucoup sa tenue. C'est très... si tu as des questions, Apollodorus a les réponses. Il sait tout. Et où je peux le trouver, cet homme qui sait tant de choses? Auprès de Cléopâtre. Un homme peut y conduire, il est près de l'hippodrome. Très bien, très bien. On va aller à l'hippodrome alors. C'est un truc que je voulais aller voir. Ah bah du coup, avec ça, on voit plus de bisous. Ah là là. Je sais pas qui je préfère entre Aya ou... ne perds pas tout ton argent aux courses. Merci. Alors, est-ce que je peux récupérer cette tour? Non. Elle est bien, elle est posée ici. Qu'est-ce que j'ai récupéré? Un fendoir à os. J'aime beaucoup le principe du fendoir à os. La fumigène peut être vachement cool pour se barrer. Ouais, ce sera le jour où j'ai envie d'être vraiment discret. Je sais pas si on peut utiliser... Ah d'accord, et après il faut l'équiper. Ok. On a le droit d'avoir qu'un outil. Non, c'est pas ça. Non, ça doit pas être ça. Bon, j'ai dû foirer quelque chose. Après une attaque au corps à corps ou une esquive pour livrer une poudre. Étourdit les ennemis à proximité et génère un écran de fumée. Un écran de fumée peut permettre de quitter le champ de vision. Exactement comme dans tous les Assassin's Creed. C'est là qu'on va aller. Alors, je vise ça. Et on est parti. Sans se casser la gueule, si possible, voilà. J'espère ne pas tuer trop de monde en... aïe. Bordel, ça fait mal. Et comme vous voyez, j'ai beaucoup plus de vie qu'au début. J'ai vraiment amélioré ça. J'en avais marre de mourir en deux coups. Attaque surprise! Ah non, raté. C'est rien. C'est rien. J'ai l'air d'un con là. J'appelle mon Faidel dromadaire. Le bouclier est beaucoup plus petit que celui que j'avais avant. Il va peut-être moins arrêter les flèches. Oh mais il y a des gens là. Oh pardon, excusez-moi, pardon. Laissons-nous guider. C'est bien ça, ce qu'ils ont fait, hein. Une espèce de mode GPS.
Ah, je suis bientôt arrivé. Voilà, voilà l'utilité de se déplacer avec le mode GPS. Hop. Et du coup, on va détruire cette statue en terre cuite. Voilà. Et tu vas fermer ta gueule, voilà. Enfin, t'as rien vu. Ou c'était complètement gratuit, hein. C'était clairement, clairement gratuit. Hop, voilà. Nous sommes arrivés à l'hippodrome. Ah, intéressant. Le bon vieux temps, c'est pas la quête principale. Oh non. Allons faire ça. Oh là là. C'est bon, c'est mieux. Tiens, tiens, tiens. Je suis l'invisible. Alors, nous arrivons ici. Le bon vieux temps. Je vais papillonner, j'ai envie de voir un peu ce que ça donne. L'hippodrome. C'est toi, Bayek ? La triste mine de Siwa. Je me nomme Caritas. Quoi maintenant tu fais ici? Icarus était mille fois meilleur que toi. Qui va diriger les vers maintenant, ma bah alors. Tu têtes encore ta mère. Et tu penses pouvoir gagner le cursus Magnus? Tu rêves, mon pauvre. Laissez Nikias tranquille. La mort d'Icarus a été terrible pour nous tous. Laissez-le pleurer en paix. Tiens, dans ta gueule, en plus il marche dedans. Vraiment trop con. Alors, Aya est avec toi? Oh, hé, hey, je suis tout seul. Je ne faisais que demander. Hé, hey, c'est mon pied qui va te répondre. Peu importe. Viens nous retrouver à la taverne. Hmm? Bah non. C'est pas ça que je voulais faire. Bon. La gueule de tueur. Je vais te retrouver à la taverne, mais je vais t'égorger. Pour ce que t'as dit sur ma femme. Non, bon alors. On va aller voir les courses. J'ai envie de voir ce que ça donne. Alors, entrer dans l'hippodrome. Attention, oui. Mais attention, des tueurs à gages vont venir vous péter les dents. Ok. Ok. Non mais je suis d'accord. Alors, un tournoi. Cours. Bon déjà on va faire le didacticiel, voir ce que ça donne. Donc, c'est des courses en rond, hein. C'est toujours des courses en rond de toute façon. Ok, donc c'est comme un jeu de course. Je m'en fous. Donc X, c'est un dérapage. Pour l'instant, tout va bien. D'accord, il m'avait demandé de faire un dérapage. Et on maintient A pour une pointe de vitesse. Allez, cataclope, cataclope, cataclope. Et là, virage serré. Hop là, ouais, ok. Ah, d'accord. Si tu restes dans l'ombre bien tassé, t'améliores. C'est ça.
va situer plus rapidement l'endurance, ok. Ah, ça m'a l'air. Oh là là, virage un peu trop serré. Go! On maintient B pour. Ah oui, pour niquer son char! D'accord. Ah, c'est parce que. Et ça demande de l'endurance. Et là, je passe devant. Bam! Je double. Oh merde! Oh merde! Allez! Ah d'accord, on peut se péter la gueule en fait. Ok. Appuyez sur LB pour se retenir. D'accord, ok. Ok, alors là, go! Pas de pitié! D'accord, B pour percuter. Et là. Go! Plus vite, plus vite, plus vite. On peut regarder derrière nous, mais au ralenti. Mange ma poussière. Oh putain, mais il passe, il trace lui. Oh la vache, il m'a touché! Ah oh le con. Allez 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 allez. J'ai essayé de tamponner en fait hein. Je sais pas si ça s'est remarqué. Ah là là. Gaze. Ouais, faut juste le tamponner hein, le bouffer. Allez, go, go, go! Ah, j'ai raté. Bon, c'est deuxième. On va tenter un tournoi. Victoire, L de Neke. De Nike? De Nike, c'est pas terrible. De Neke, c'est mieux. Ah oui, du coup, il y a quand même des cadavres. Hein. Tout de suite. Oh putain, ils sont juste derrière. Je le bouffe, je le bouffe. On le laisse passer un peu devant. Histoire de le bouffer encore un peu. Allez, bouffe-le, 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 bouffe-le. J'ai plus d'endu. Hop là, je passe devant. Alors, du mal à rattraper. Ah, il a plus d'endu, ça y est. Ow. Oh, j'avais pas vu. Go, go. Oh là là, je. Oh, il y a eu un char de mort là. Ils sont nombreux. Trace, trace, trace. J'ai pris la tête de la course. Je garde l'endurance. Bam. Je sais pas si je l'ai bouffé ou pas. Allez go. C'est bon, je suis bien là. Là on est bien là. On est tranquille. Non. Ah, il va essayer de me faire l'intérieur. Ouh, le cheval qui passe à travers le mur. Ah là, il tente l'extérieur là. Mais là je l'attends. Et non, c'était une feinte. Go. Bon, ça va, première course, elle est tranquille. Et je pense qu'on va finir sur cette bonne note de première place.
pour le... Ah, on a trois courses. Eh ben non, excusez-moi. On va faire les trois courses et après je vous abandonne et je vous dirai, comme à chaque, tous les deux jours, à l'épisode d'après. Go! Allez! Là on le bouffe direct lui. Lui on le bouffe direct. Non? Ok. J'aimerais bien essayer de tous les éliminer. Ça serait drôle. Allez, allez, bouffe-le. Là, là, je le bouffe. Là, là il en peut plus, là. Ah, j'ai plus d'endu, j'ai plus d'endu. Là, c'est beaucoup la gestion de l'endurance. Oh. Allez. Non. Tiens. Ah, c'est bon. J'ai repris un peu la, la tête de la course. Bam! Ouh. Allez go! Ah, je prends la spi. Je reprends un peu d'endurance. Et je le bouffe. Et là je le bouffe. Je le bouffe. Je le bouffe. C'est bon. Oh merde! Enfoiré là, il prend. Il passe devant. Je le bouffe aussi. Oh là 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 là! Attention, on est là pour le spectacle. On va ralentir un peu. Droite, gauche. Gauche. Allez, allez. J'ai plus d'endu. C'est le dernier tour. Faut que je le bouffe. Je passe devant. Non. Oh, il y a, y a des chevaux qui restent là. Oh là là, allez, ça cravache dur là. Allez, allez, non. Deuxième place. Ça passe. On va dire que ça passe. La prochaine, il faut absolument que je monte au-dessus. Et puis ça sera victoire. Victoire du galet. Oh là là, oh le brouillard. Yeah. Yeah. Allez. Hop là, on lui fait l'intérieur. Oh là, il y a des échafaudages maintenant, c'est le bordel. L'ordinateur n'en peut plus. Je suis toujours derrière en mode aspi. Lui je le bouffe. Voilà. Du coup je passe devant. Oh, il y a déjà un char qui est pété. Oh, oh j'ai bouffé. Ah pardon. Hop là. Boum. Faut que je reste derrière lui là. Lui je le bouffe. Aïe ya. C'est l'heure de la ligne droite. C'est en ligne droite que ça me... Ouh yeah. Oh putain. Oh merde, je suis passé au-dessus du char du coup. Allez. Ah merde. Oh le con. Il s'est pris le mur. Oh c'est le jeu sympa. Oh là là, le dernier tour. Ouais, il m'attend, il m'attend. Ça va être chaud, ça va être chaud. Le mec prend l'intérieur. Non, l'extérieur, je voulais dire. Oh là là. Il récupère les cadavres. Ya. Yeah. Il faudrait que je passe l'extérieur-intérieur, vous allez voir. L'enculé. Allez, ya. Oh la vache, ce que je prends dans la gueule. Oh, et j'arrive quatrième. Oh, ce que j'ai pris au dernier virage, là. Je pensais vraiment la repasser devant. Alors, ça donne quoi? Bon, bah, en premier tournoi. Ça donne rien du tout. Rien du tout. Eh ben écoutez, c'est sur cette vaillante défaite, j'ai essayé de me battre, que je vous abandonne et que je vous dis
prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, salut.